Il est 17h44 sur France Inter et nous allons passer aux exercices. Je fais appel à Alex Vizorek. Et oui, Jean Lassalle, je vous l'ai dit, il est candidat, oui. Il a annoncé. C'est bon, il est candidat à la présidentielle 2022. Et la dernière fois, en 2017, il était déjà parti comme une flèche. Il avait récolté pas moins de 1,21% des voix. Alors, petit exercice de mathématiques, que représente 1,21%? Réponse A. C'est un excellent score, selon le Benoît Hamon School of Statistics. 1,21%, c'est la quantité d'alcool dans le vin chaud, selon le Vanunacker School of Alcoholism. 1,21%, c'est le pourcentage de chroniqueurs qui travaillent vraiment dans l'émission de 17h sur France Inter. Ouais, bien sûr. Ou 1,21%, c'est le nombre de gens déçus que Guillaume Meurice arrête sa carrière de chanteur pour commencer une carrière de romancier. À mon tour, cela fait un an aujourd'hui que la France a connu son premier confinement. À ton avis, combien d'épidémiologistes et de virologues ont été invités sur France Inter depuis cette date? Petit A, 3200. J'ai compté, j'en peux plus, aidez-moi. Petit B, 500. Et je compte aussi Gérard Larcher, car lui seul est capable de transmettre le virus de la politique avec autant de talent. Petit C, je suis sûre qu'il y a des étudiants en médecine qui ont choisi la virologie comme spécialité juste pour rencontrer Nicolas Demorand, Léa Salamé. Petit dé, je ne sais pas, mais ça reste bien en dessous du nombre de fois où Bruno Retailleau a été invité dans la matinale. Guillaume. Oui, Nicolas Sarkozy de retour au tribunal, cette fois pour l'affaire Big Malion. Cette affaire, alors c'est l'histoire d'argent mis de côté qui aurait servi à Nicolas Sarkozy. Mais comment Nicolas Sarkozy aurait-il dépensé cet argent? Réponse A, cet argent aurait servi à payer toutes les photos pour les multiples une du JDD, du Point, de Marianne, du Figaro, de l'Obs, les Échos, Picsou Magazine. C'est bon, vous avez compris le principe, d'accord. B, cet argent aurait servi à payer les avocats de Sarkozy pour l'affaire des écoutes, pour l'affaire du financement des biens, pour l'affaire... Oui, c'est bon, allez. Vous avez compris, Cet argent aurait servi à faire des meetings dignes du spectacle du Super Bowl avec Nadine Morano en pom-pom girl. Vous avez l'image? C'était juste pour me la mettre dans la tête. Voilà, c'est bon, j'enchaîne. Ou réponse D, en payant les programmateurs musicaux de France Inter pour mettre Carla Bruni dans la playlist. Hashtag Djoubaka rend l'argent. Merci Guillaume.